toujours Sid Doulamir. En face de nous. Bonjour les filles. Bonjour. Je vous laisse présenter. Ouais. Et c'est quoi cette journée? C'est la compagnie Les Petits Pas dans les Grands. On est de Lamure en Isère. Et aujourd'hui on a présenté une pièce qui s'appelle Partir en fumée, qui évoque des villes qui ont été détruites brutalement et dont les habitants se sont retrouvés du jour au lendemain sans habitation, sans reconnaître même leur quartier. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire de revenir dans son quartier, de rien retrouver et que tout soit parti en fumée. D'accord, et c'est, voilà. C'est pourquoi Emmaüs? Alors pourquoi Emmaüs? C'est dans le cadre du festival Et si nous tentions la fraternité. On trouvait ça important justement de pouvoir échanger avec les compagnons, notre pratique artistique, notre propos aussi, parce que les compagnons accueillent aussi des gens qui ont sûrement vécu des choses difficiles dans leur pays avec des villes détruites, des quartiers détruits, et ça nous paraissait super important de pouvoir partager un petit bout de vie, un petit bout de spectacle avec eux. Bah, merci. Donc ce sont des danseuses qui sont en classe, qui sont au lycée en fait, et qui ont une classe danse. Voilà. Moi j'ai vu, ils sont bien dansés quand même, mais ils ont avec des conditions difficiles. Ah, je suis en place à vraiment aménager les danses, je suis sans commencer. Merci les filles, soyez bienvenues chez nous à Emmaüs Grenoble. Et merci l'accueil. Bah, à bientôt, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Michel. Bonjour Karine. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors, on est plusieurs associations de Lamure et des environs à avoir organisé un petit festival qu'on appelle Et si nous tentions la fraternité. Parole de compagnon Emmaüs Grenoble, le site de la Mire.